Mon nom est Thierry Tametti, j'ai 29 ans et je suis un artiste plasticien autodidacte. Ma pratique est influencée par l'art conceptuel en général, mais aussi par le surréalisme et les réflexions qui sous-tendent ce courant artistique. Et ce que j'essaie de montrer dans mon travail en général, c'est le fait qu'à travers la réflexion, on peut découvrir beaucoup de choses dans la subtilité des choses et de la nature en général. Au niveau des médiums, vous remarquerez au niveau de la couleur la prépondérance des couleurs ocre et or, parce que j'aimerais matérialiser des pièces qui sont un peu liées à la terre ou qui rappellent un peu la terre, mais qui aussi évoluent dans le temps, on va dire. J'aimerais que ces pièces-là, lorsqu'on les regarde, qu'on puisse avoir des interprétations différentes à travers le temps. Pour moi, cette pièce, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont connectés de toutes les manières possibles, que ce soit par télépathie, par le lien de cœur ou par un enfant. Ici, on a une forme qui est en train d'émaner de la forme masculine pour venir se poser sur la forme féminine. Pour moi, c'est l'enfant qui est en train d'être introduit, on va dire, dans le corps de la femme. Donc les deux sont en quelque sorte en train de matérialiser la vie. Au niveau de l'usage de la symbolique ou les formes des sirènes, j'étais le premier à être étonné de voir ces formes-là dans mes travaux. Mais je me suis dit que c'était quelque chose de vrai et de spontané. C'est pour cela que j'ai essayé de ne pas les refrainer. En m'étudiant avec le temps, j'ai compris qu'il y avait un lien avec mes origines, que ce soit familial ou tout ce que j'incarne dans cette réalité.